Félicitations fréquences et les bonjour 1351 à vous tous de la part de Dandy 33 depuis le pont d'Aquitaine. Ah d'accord, c'est ton chien ? Ah ouais, ton chien apparemment t'en a parlé donc... Il m'en a parlé l'autre jour et il m'a appelé, ouais. Pas de problème. L'état des routes, pas de verglas, pas de grêle, pas de patates, pas de carottes.
Station JFK pour Dandy 33 qui t'appelle. Et bonne 73, comment vas-tu? Ah, je t'avais reconnu, non, de la pluie, oui. Ah ça, beaucoup d'eau, même trop d'eau au point de noyer le Ricard. Affirmatif, surtout que tu vois là je sors du pro, là j'ai débauché là de Bordeaux là à 6h et toute la nuit j'ai eu de la flotte. Hein. Ouais, c'est reçu. Bien, mais je pense que maintenant ça va être l'heure de petit réconfort et puis après le repos bien mérité.
Affirmatif, là je tentais un petit peu le coup, là, vite fait avant d'aller au 144. J'appelais d'un côté, ça répond de l'autre, hachis trois coups. Ah, je pensais que c'était son heure à JFK, là, d'être sur la route, mais apparemment, ça devait être encore un petit peu trop tôt pour lui. Hein. Ok, de quel côté il est ? Alors lui, JFK, il est du côté de Bourg-sur-Gironde, et on l'entend surtout très bien quand il passe sur le pont de la Dordogne. Alors là, il arrose toute la région. Hein. Affirmatif. Ah, pourtant, là, tous les après-midi, là, à partir de 14h30, 15h, dans ces eaux-là, il y a toujours le Québec, là, qui est sur le 27-625. Là, mais il y a un monde là-dessus, c'est hallucinant. Alors, de samedi dernier jusqu'à jeudi matin, je crois, ou mercredi soir, ils étaient en expédition. Alors, expédition DX plus pêche. Donc, je suppose que ça devait être, à mon avis, ça devait être amateur. Après, pour le reste, côté pro, j'ai aucune idée. C'est vrai que j'ai pas posé la question, parce que je me suis dit que, bon, s'ils ont envie d'en parler, ben ils en parleront, et puis c'est tout, quoi. Donc, j'ai pas cherché à être plus curieux que ça, côté professionnel. Voilà, affirmatif. Là, ils faisaient les deux en même temps. Hein. Ceux qui voulaient, d'après ce que j'ai compris, ceux qui voulaient être à la CIBI, comme Gilles, par exemple, de ça, bon, ben, ils allaient côté CIBI. Et puis les autres qui sont plus pêche, allaient du côté pêche. À mon avis, ça s'est organisé à la bonne franquette. Et puis voilà, quoi. Oui, si je la connais, j'ai voulu le... Attends, pendant que je pars, je suis en train de rechercher en même temps le nom. Une IMAX 5000 ou 2000. Je sais plus, là, je crois que je suis en train de dire une connerie, je sais plus. Parce qu'ici, c'est que cette antenne-là, j'ai voulu en avoir une. Mais le problème en France, c'est que pour se faire livrer du magasin à chez soi, c'est très compliqué. C'est une antenne qui est en deux morceaux et ça fait des longueurs de 2,50 m en fin de compte. Alors ça te fait un colis de 2,50 m et c'est très dur pour se faire livrer. Quoi. Si je crois que ça doit être une IMAX 2000, il me semble, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est une 5/8, effectivement elle est sans radio. Je ne sais plus à vérifier sur internet. Elle est en fibre hein, en tout cas. Elle est en fibre, deux éléments qui se vissent l'un dans l'autre. Là, une bonne self à la base. Alors, elle marche bien. Hein. Et donc oui, c'est celle que je voulais commander. Impossible de me la faire livrer. Du coup,
Pour ma part, je me suis repenché sur la président Himalaya 5 Radiant, qui en fin de compte a un peu plus de rendement. Celle-ci, par contre, elle est en trois éléments qui se vissent l'un dans l'autre, puisque bon, elle est aussi en fibre. La président Himalaya, c'est celle qui remplace la Black Pirate, qui est un peu plus connue. Hein. Eh bien justement, Radio 33, au niveau de leur fournisseur, ils l'ont pas, cette antenne. Et du coup, c'est Radio 33 qui m'a livré la président Himalaya. Et c'est vrai qu'honnêtement, je regrette pas. Hein. Je regrette pas d'avoir pris celle-ci à la place de l'autre, parce que c'est vrai qu'elle marche vraiment bien. Ah ben oui, affirmatif. Ah ben, attends, je suis en train de voir, j'ai intérêt à allumer le ventilateur pour refroidir un petit peu la bestiole. Voilà, ok. Oui, affirmatif, faut bien réchauffer un petit peu la température. Donc, oui, il y a quelque chose, ils ont quelque chose derrière. Ouais, affirmatif. Ouais, il y a d'autres stations derrière. J'allais dire enregistrer le break. Vu où on est, non, il n'y a pas besoin. Les bonnes 73 à vous tous. De la part d'Andy 33 et... Oh, ça y est. Trou de mémoire. Ah, zut, 92. je sais plus. Mais disons que moi j'ai fait cette expédition histoire de leur faire un petit clin d'œil. Parce que je me suis dit, eux, ils sont en pleine expédition, dans une cabane, sur la glace, par moins 20, moins 30. Surtout que le samedi d'avant, ils avaient quand même moins 35. Je me suis dit, là, fallait leur faire un petit clin d'œil. Et c'est pour ça que rapidos, là, j'ai organisé une petite expédition, là, de mon côté, bien dans les conditions, en plein air, pour les accompagner, quoi. Ok, en avant les stations qui veulent parler, après tout on est sur le 19. Alors je pense que tout simplement on devait peut-être déranger un peu. De toute façon je suis en train de regarder l'heure, 7h25. Bon pour ma part là je vais aller au 144. Donc les bonnes 73-51 à toi, merci pour ce petit contact. Et bonne journée, pour moi ça sera bonne nuit. Voilà, Daniel 92. D'autant plus que ça m'est assez facile à me rappeler, puisque j'ai un copain sur Saint-Médard, qui s'appelle aussi Daniel. Lui, son QRZ, c'est Centaure. Et il va de temps en temps rejoindre les stations sur le 27-690. Voilà, donc c'est un peu couillon de ma part de ne pas m'en être souvenu plus rapidement. Ok, allez, bonne journée à toi, bonne journée à tous, et à plus. Ok, bye bye, bon retour, à bientôt, merci. Merci, bye.